Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans notre série Terroir Gourmand, nous partons à la découverte de l'Indre en Berry. Boris nous présentera la poule noire du Berry, une race qui a bien failli disparaître, tandis que Marc nous préparera le fameux pâté berrichon. Nous ferons un détour par Valençay, où s'ancrent deux produits d'appellation d'origine différents sous un même nom, un vin et un fromage. Je vous laisse en compagnie des producteurs qui font vivre ces beaux produits et je vous retrouve juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Le Berry constitue l'un des plus vieux terroirs agricoles français. La partie située sur le département de l'Indre est composée de forêts denses et de lacs paisibles contrastant avec de vastes champs entrecoupés d'arbres. Ancienne province historique de la France de l'Ancien Régime, certaines architectures magistrales datent du classicisme renaissant et rappellent le riche passé de la région. Traversée par la Creuse, l'Indre, le Cher et la Loire, l'Indre en Berry regorge d'une faune et d'une flore variées. Région gastronomique reconnue, elle se distingue par ses recettes d'antan et ses vins variés qui font la fierté de ses habitants. Allez les chiens, on y va. On est parti. Au cœur de l'Indre en Berry, dans le village de Mézières-en-Brenne, Boris prend soin de ses 1200 poules noires du Berry, et ce depuis plus de 10 ans. Donc c'est une poule noire, bien sûr, pas que par le nom, mais par la couleur aussi, qui est avec des reflets bleutés avec le soleil. Et après, c'est vraiment une volaille de chair et aussi pondeuse, hein, qui fait des œufs tout blancs, pour bien différencier de la poule de l'œuf. Voilà. Si la poule noire du Berry a une chair si fine et savoureuse, c'est grâce aux grands espaces dans lesquels elle évolue, mais aussi à une alimentation issue d'une agriculture raisonnée. Attention les loulous, on se pose. On va mettre à manger aux petits poussins noirs du Berry. Donc ça c'est un aliment, donc il n'y a pas très longtemps qu'ils l'ont. C'est du blé, du maïs. Oui, comme ça peut paraître étonnant, des petits pois pour les protéines et un peu de tourteau de colza pour équilibrer la ration. Voilà, c'est que des produits en Brenne par un jeune agriculteur qui nous fait des belles choses et des bonnes choses. Les poules arrivent à maturité au bout de 150 jours. 5 mois durant lesquels Boris doit être attentif à ne pas mélanger la race avec d'autres espèces. Il y a un poulet qui vient de rentrer avec les petits noirs du Berry, donc ça je ne veux surtout pas. Donc là, on va tranquillement le faire sortir. Voilà. Boris garde un œil en permanence sur ses volailles pour qu'elles ne soient pas dévorées par des prédateurs avides de nourriture en cette période de printemps. Donc là, on fait une petite vérification des clôtures. Parce qu'en ce moment, il y a de la prédation sur les renards, avec les renards. Donc là, on a un exemple ici, un renard qui a gratté il y a quelques jours pour essayer de rentrer à l'intérieur du parcours. Allez, on y va les garçons. Maestro. Apparue au début du XXe siècle, la poule noire du Berry a quasiment disparu après la Seconde Guerre mondiale. C'est en 1975 que Gaston Touraine, un professeur de sciences berrichon, décide de reconstituer la race à partir de croisements de poules voisines comme la Gauloise noire ou la noire de Chalon. Pendant 25 ans, quelques particuliers la sauvegardent précieusement dans leur basse-cour et en 2001, une poignée d'éleveurs décident enfin de commercialiser à nouveau cette volaille disparue de nos étals. Salut papa, ça a été la route. Bien roulé. Si Boris reçoit une livraison de 180 poussins ce matin, c'est parce que la race est encore bien fragile. Voilà, les poussins viennent d'arriver de Béchane, donc dans l'Ain, et là on va aller les remettre directement dans la poussinière pendant une petite quinzaine de jours. Il ne peut pas faire reproduire ses poules lui-même, par risque de contamination d'autres races bâtardes. Ça, voilà, les bébés, poussins noirs du Berry. Les œufs éclosent dans un centre de sélection génétique avicole dans l'est de la France. Mais pour Boris, l'objectif est de préserver cette race si caractéristique de sa région. Donc, grâce à une poignée de passionnés,
on a réussi à sauver et à recréer cette race, la sauver. Et maintenant, il reste juste à la pérenniser et à la faire un peu plus connaître. Si Boris veut faire connaître sa poule noire du Berry, c'est aussi et surtout pour qu'un plus grand nombre de gastronomes puissent la déguster. La poule noire du Berry peut être rôtie en cocotte ou encore fumée, mais Boris préfère la recette berrichonne, appelée barbouille. Une recette que la romancière George Sand mentionnait déjà dans ses écrits au 19e siècle. On n'avait pas toujours le temps de cuisiner et c'était un plat facile à faire. On préparait le matin, on le mettait au coin de la cuisinière et au dernier moment, on rajoutait le sang pour épaissir la sauce. Et d'autres régions utilisaient de la farine. Et en Brenne, dans le Berry, on n'avait pas beaucoup de farine. Et donc la sauce est épaissie avec le sang. Et se faisait quelque chose qui tenait bien au corps l'hiver, pour les gens qui travaillaient dans les champs. Là, on commence à entendre le chant du gras. Il commence à crépiter. Ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir mettre les morceaux de viande. L'avantage du gras de canard, c'est que c'est un gras qui ne brûle pas. Voilà, et donc ça fait vraiment bien dorer les morceaux qu'on verra, voilà, et au niveau gustatif, ça change un peu les choses. Faut pas hésiter à les retourner régulièrement pour ne pas les faire brûler, ne pas les faire trop dorer d'un côté et pas assez de l'autre. Une fois la poule bien dorée dans le gras de canard, Boris ajoute des oignons, des pommes de terre et du vin rouge. Mais l'essentiel de la recette réside dans l'utilisation du sang de la volaille pour épaissir la sauce. Et là, pas question pour le chef de dévoiler ses secrets. Et on a tous nos petits ingrédients qui font que qu'on aille d'un endroit à un autre, la recette sera toujours la même, le goût jamais. Le plat tient son nom de sa texture épaisse et de sa couleur marron. Alors on appelle ça une barbouille parce que la couleur, la texture font penser un peu à de la bouillasse. Et voilà les amis, c'est prêt. Il accueille parfois des touristes dans sa grange, mais ce soir, c'est avec ses proches qu'il savoure sa barbouille. Santé, bon appétit à tous. Déjà à la base, quand on mange un poulet qui s'est élevé à 50 mètres d'ici, c'est quand même pas mal. En plus, la poule noire du Berry, c'est vraiment l'emblème. Et quand c'est cuisiné avec amour et passion comme ici, avec une bonne sauce, ça se partage très bien, quoi. Vraiment. C'est le bon exemple de la dégustation du poulet en barbouille. C'est entre amis, voilà, tous ensemble, un bon moment. C'est que des moments de bonheur, c'est des choses simples, mais qui sont irremplaçables. Boris perpétue la recette de la barbouille connue depuis plus d'un siècle. Mais dans le Berry, certains n'hésitent pas à innover pour proposer de nouvelles saveurs. Comme ici, à Pouligny-Saint-Pierre, au cœur du parc naturel régional de la Brenne. Salut Jean-Pierre. Ouais, ça va? Aidé d'un collaborateur et tout juste sorti de l'école, Alexandre a mis au point il y a 2 ans une liqueur alcoolisée à base de lait de chèvre, réalisée avec les produits du terroir berrichon. On avait regardé un peu les spécialités locales et on était parti soit sur un gin à base de lentilles, on a vite laissé tomber l'idée et après on s'est dit les alcools qui ont une connotation régionale, c'est les alcools de plantes, donc on va lancer une liqueur de plantes. Et pour pas faire quelque chose d'invendable et qui brûle la gorge à 50 degrés, on s'est dit on va faire quelque chose de plus doux, à 17 degrés, une crème. Et pour avoir ce côté onctueux, comme on est le pays du fromage de chèvre, on s'est dit on va travailler ça avec du lait de chèvre. Alexandre décline sa liqueur à base de châtaignes, de pommes ou de plantes aromatisées. Et l'a appelée la capricieuse. Capricieuse, capri, caprin, étymologiquement parlant, c'était un petit clin d'œil à l'univers des chèvres. Puis ça collait bien à l'esprit des berrichons, c'était aussi un clin d'œil. Voilà, on est parti sur ça. Donc là, je te fais goûter la châtaigne. Nouvelle version. Nouvelle version, voilà. Alors qu'en 2 ans, la production connaît un réel engouement et qu'Alexandre livre même à l'étranger, c'est surtout dans la région berrichonne que sa liqueur est le plus demandée. Il apporte quelques bouteilles à l'un des fromagers de Pouligny-Saint-Pierre pour qu'il goûte les modifications apportées à la recette à base de châtaigne. Ça a toujours ce côté onctueux, mais c'est moins dense. Et les quelques clients curieux peuvent eux aussi profiter d'une dégustation improvisée.
Effectivement, un liqueur de lait de chèvre, ça peut faire peur parce que voilà, on se dit ça va avoir un drôle de goût. Non, on ne sent pas du tout le goût de la chèvre, en fait, le goût du lait de chèvre. En dehors de cette liqueur, la région est surtout connue pour son vin, et notamment dans la ville de Valençay. C'est au château éponyme que sont organisées des dégustations à l'aveugle. Les caves de la résidence du célèbre Charles Maurice de Talleyrand constituent un cadre idéal pour tester différents vins. Cet après-midi, nous allons donc faire un tête-à-tête entre deux appellations. Royy et Valençay. Le vin de Valençay est consommé depuis le 19e siècle et bénéficie depuis 2004 d'une appellation d'origine protégée qui répond à certains critères de production. Il se décline en trois couleurs, le blanc, le rosé et le rouge. Donc pour le blanc, un encépagement à base de Sauvignon. Et pour les rosés et les rouges, un encépagement à base de Gamay, de Caux et de Pinot Noir. Alors la nature du terroir composée sur certains secteurs, effectivement majoritairement de silex, sachant que cette matière va capter la chaleur le jour pour la restituer la nuit, va permettre effectivement un état de maturation sanitaire au niveau des raisins beaucoup plus important. Longtemps déprécié par les amateurs, car considéré comme un vin de table commun, les viticulteurs de la région ont fait de gros efforts pour qu'il puisse trouver sa place parmi les autres appellations. Au niveau des rendements à l'hectare, on avait une production volumique beaucoup plus importante qu'aujourd'hui où on a des rendements qui sont beaucoup plus maîtrisés, moins importants et donc qui confèrent à la vendange et au jus au final une concentration qu'il avait peut-être moins auparavant. On va procéder donc à ces trois phases méthodologiques de la dégustation que sont la phase visuelle, la phase olfactive et la phase gustative. Si Olivier organise des dégustations à l'aveugle, c'est pour que chacun puisse oublier certaines idées reçues et faire confiance à ses papilles en se concentrant sur les saveurs. C'était tellement sucré en fait au premier nez. Après, quand tu l'as aéré... C'est vrai qu'il y a un côté mûr. Il y a un côté mûr quand même. Et ben, j'ai plus trouvé des fruits et des fleurs, mais si on parle de fruits, j'étais plus sur... la première bouche, j'ai trouvé de la pêche. Quand on fait une dégustation à l'aveugle, l'objectif, ce n'est pas que ce soit meilleur ou pas meilleur. Nous, notre objectif, il reste le même, c'est que le consommateur s'y retrouve et puisse dire « je rencontre un produit qui me plaît ». Si effectivement, dans la dégustation aveugle, le Valençay vient devant une autre appellation et qui plus est une appellation avec une visibilité et une notoriété supérieure, tant mieux, c'est quelque chose, et là, on est super content. Le vin de Valençay a une similitude avec le fromage de chèvre de la région. Il bénéficie de la même appellation d'origine protégée et c'est un cas unique en France. La réputation du fromage de chèvre de Valençay n'est plus à faire dans la région. Depuis près de deux siècles, il orne les tables berrichonnes. Le savoir-faire se transmet de génération en génération et fait naître des vocations. C'est le cas d'Isabelle, qui a toujours voulu être éleveuse de chèvres et fromagère. J'ai grandi avec des chèvres dans la ferme de mes grands-parents, où on faisait du fromage. À l'adolescence, j'ai dit moi je veux être agricultrice, je veux avoir mes chèvres et faire mon fromage. Et puis, on m'a orientée vers d'autres métiers. Et ça ne me correspondait pas. Et donc, j'ai pris la décision de retourner à l'école pour être d'abord chef d'exploitation. Et puis ensuite, de me spécialiser dans la transformation, l'élevage de chèvres et la commercialisation des fromages. Ah, la fille ! Oh, c'est bien ça ! Oh, c'est bien ça ! Depuis 4 ans, Isabelle élève 150 chèvres laitières. Les deux tiers du troupeau sont de race alpine. Les chèvres restantes sont des coups clairs. Isabelle souhaiterait les faire reconnaître dans l'appellation d'origine protégée comme étant la race du Berry. Elle va avoir une virgule noire sur la joue. Elle va avoir la démarcation là, entre l'avant et l'arrière, de ces deux couleurs.
Et puis elle va avoir des chaussettes noires. Pour la race, l'idée c'est de la faire reconnaître en tant que telle et que du coup on puisse avoir des plans de conservation. Puisque sans être reconnue, cette chèvre par exemple, on ne peut pas conserver la semence de bouc. Et donc pour la conservation de la race, c'est quand même très important. Au printemps, après la traite du matin, les chèvres sont libres de sortir aux grandes terres pour se nourrir et gambader. Le fait qu'elles sortent, effectivement, ça va avoir une incidence sur le goût du fromage. Elles vont pâturer de l'herbe fraîche qui est pleine d'eau. Et donc cette eau, on la retrouvera dans notre lait et donc forcément dans notre fromage. Et du coup, on va obtenir un fromage en goût un peu plus frais. Allez, filles! Allez, viens! Allez! C'est bien! L'herbe fraîche est la base de l'alimentation des chèvres, mais elles ont tout de même besoin de compléments alimentaires autorisés par l'AOP sous certaines conditions. Dedans, des vis vont faire tomber le maïs et l'avoine que l'on produit et que l'on donne à nos chèvres. Et il y a un ordinateur dedans, je vais pouvoir régler la quantité que je veux qu'il distribue à mes chèvres. Et donc il va passer comme ça, 4 fois par jour, pour distribuer la ration des chèvres. Isabelle effectue la traite matin et soir. Le lait est récolté dans une cuve, puis dans des bassines pour commencer à confectionner le fromage de Valençay. Isabelle ajoute alors de la présure pour le faire cailler pendant une journée. Je vais donc commencer par retirer le sérum. Donc en fait, c'est toute l'eau qui est contenue dans mon lait et qui s'est donc séparée de ma matière fromageable. Une fois que j'ai enlevé mon sérum, je vais pouvoir prendre mon cahier délicatement, l'idée étant de garder des morceaux pour que le sérum s'évacue bien. Il faudra attendre encore 24 heures supplémentaires pour que les fromages soient égouttés et prennent leur forme pyramidale. Mon cahier, tout au long de ma journée, va pouvoir descendre dans les moules et demain matin, ils seront tout égouttés à hauteur de mes moules. Talleyrand, le célèbre homme politique du début du 19e, aurait ordonné de couper la tête des fromages pour pouvoir les présenter à Napoléon sans lui rappeler sa défaite en Égypte. J'utilise ce sel pour saler mes fromages. Donc c'est un sel blanc alimentaire classique qui est mélangé avec de la cendre, du charbon de bois. Donc le but étant de donner à mon fromage ce goût particulier et cette couverture gris bleutée que j'obtiendrai à l'affinage. Pendant 11 jours, le sel au charbon va affiner le fromage et lui donner sa croûte si particulière. Il sera ensuite à même de porter son appellation d'origine protégée et prêt à être consommé. Le fromage de chèvre, si on le compare par exemple avec un fromage de vache, déjà on va avoir une teneur en matière grasse beaucoup moins importante avec notre fromage de chèvre. Et puis par rapport à notre production, nos chèvres elles consomment du tourteau de colza. Et on sait bien sûr que le colza est plein d'oméga-3. Je pense qu'on peut le retrouver aussi dans nos fromages. Alors, mes fromages qui viennent déjà de passer 5 jours en salle de fabrication, entre le moulage, le salage et le début de l'affinage, se sont bien couverts. Je vais donc pouvoir les mettre dans le haloir pour qu'ils continuent à se couvrir correctement jusqu'à à peu près avoir 11 jours. Et ensuite, seulement, je les passerai au frigo. Depuis toujours, Marc aime cuisiner dans sa maison de Châteauroux. Ce directeur de cabinet est attaché aux produits de sa région, mais surtout à une recette remontant à l'époque des seigneurs du Moyen-Âge, le pâté berrichon, aussi appelé le pâté de Pâques. Ils avaient beaucoup de viande de chevreau. Donc avec cette viande, ils faisaient de la farce de chevreau. Et comme c'était juste après Pâques et que pendant Pâques, pendant le carême, on mange pas d'œufs, il y avait beaucoup d'œufs. Donc ils ont conçu cette recette avec une pâte brisée qui était faite à l'époque avec du saindoux et de la farine et de l'eau tout simplement. Et puis donc ils font une bande de chair de chevreau et puis ils posaient des œufs durs dessus coupés en deux. Voilà.
Aujourd'hui, Marc a remplacé la viande de chevreau par une farce de porc et de veau plus tendre. Il met un soin particulier à utiliser uniquement les produits de sa région. Enfin, moi, je suis très attaché à mon département, à mon territoire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'aime beaucoup faire cette recette. Hein, parce que même si j'aime bien faire la cuisine en général, le pâté berrichon, c'est vraiment ma spécialité, culinaire. Parce que je suis attaché aux valeurs de mon département. Une fois la farce posée sur la pâte brisée, Marc ajoute des œufs durs coupés en deux. Il referme ensuite le pâté pour le passer au four pendant 45 minutes. Des gestes qui se perpétuent de génération en génération. C'est également sur le plan affectif parce que ma grand-mère a transmis cette recette à ma mère qui me l'a retransmise à son tour. Voilà. Donc, et puis c'est assez rigolo parce que mon petit dernier qui aime bien faire la cuisine, de temps en temps, il me regarde faire. Donc je me dis que peut-être que lui, après, c'est lui qui apprendra à ses enfants à le faire à son tour. Hop. Si les gestes viennent de sa famille, c'est avec ses amis que Marc aime déguster cette spécialité. Alors, c'est vrai que là, finalement, je vais satisfaire tout le monde parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment plutôt chaud et tiède et d'autres plutôt froid. Et là, comme je l'ai fait cet après-midi, je ne l'ai pas mis au frigo, comme ça je me suis dit, voilà. Mais c'est Frédéric qui m'a fait découvrir la farine du Berry. Comme c'est un produit du terroir, dès qu'on met un pâté berrichon, on parle de notre département et puis des traditions. Donc c'est vrai que ça déclenche souvent des discussions autour de l'Indre, autour de l'histoire de ce pâté, en fait. Je pense que c'est un bon déclencheur de conversation. Mais c'est vrai que le pâté de Pâques de Marc, moi, je l'aime. C'est l'importance des ingrédients qui fait la différence. Ah. Moi, je vais bien tester bien chaud. Ouais, c'est vrai qu'on l'a encore jamais testé. Les Berrichons ont à cœur de défendre les produits de ce terroir affirmé. Éclairés par des recettes d'antan ou novatrices, leur gastronomie devrait porter longtemps encore ces petits secrets qui ont traversé les âges et l'histoire. Aujourd'hui, je cuisine des escargots au jus de pamplemousse et purée d'orate. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 48 escargots du Berry de taille moyenne, 25 g de capre non pareil, 50 g de tomates rouges, 2 cuillères à soupe de persil plat, de l'huile d'olive et du beurre doux. Pour le jus de pamplemousse rose, un pamplemousse rose, 100 g de crème liquide, 40 g de lait entier, 2 g de gingembre frais, 2 g d'ail. Pour la purée de pommes de terre rate à l'huile d'olive, 500 g de pommes de terre rate, 2 dl de lait entier, 2 dl d'huile d'olive, une feuille de laurier, un brin de thym, 1 g de curcuma et du gros sel. Dans une poêle, chauffez l'huile d'olive avec le beurre et faire sauter les escargots 2 à 3 minutes. Il est important de ne pas sauter les escargots plus longtemps, cela les rendrait caoutchouteux. Assaisonnez, égouttez et réservez sur un papier absorbant. Pour le jus de pamplemousse rose, pressez le pamplemousse rose pour en récupérer le jus. Hachez le gingembre et l'ail. Dans une casserole, versez le jus de pamplemousse, la crème, le lait. Ajoutez le gingembre et l'ail. Portez à ébullition, assaisonnez. À défaut de pamplemousse, vous pouvez bien sûr utiliser du jus d'orange. Mixez, puis réservez. Pour la purée de pommes de terre rate, à l'huile d'olive. Cuire les pommes de terre avec la peau dans une grande casserole d'eau avec le laurier, le thym et le gros sel. Pour les purées, pour les cuissons en général des pommes de terre, ne pas les cuire directement épluchées, mais les cuire avec la peau afin qu'elles soient plus fermes. Pelez les pommes de terre à chaud. Les écraser à l'aide d'une fourchette et incorporer le lait, l'huile et le curcuma. Mélangez et assaisonnez, puis réservez. Pour le dressage, mondez une tomate. Récupérez la chair et la taillez en dés. Ciselez le persil. Versez 150 g de purée d'orate dans une assiette creuse et faire un petit puits au milieu à 1,5 cm du bord. Mélangez 12 escargots sautés avec les capres, les dés de tomate, une pincée de persil ciselé et du jus de pamplemousse. Versez ce mélange dans le puits de la purée. Émulsionnez le jus de pamplemousse et versez sur les escargots.
Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.